Hello, bonjour. Je veux parler d'un chanteur, malheureusement qui nous a quittés. Il n'était pas très connu du public, hein, mais il était connu du monde du show business et de ceux qui regardent les shows télévisés de recherche de chanteurs, de télécrochet, n'est-ce pas? Il avait été remarqué en 2021 dans le télécrochet de Nagui. Bon, il s'appelle Nino Vella. Il vient de décéder à l'âge de 31 ans. Il a été découvert, comme je le disais, dans The Artist, hein, l'émission présentée par Nagui. Concours qu'il remporte en 2021. Il est apprécié des artistes, on nous dit, pour sa gentillesse et son talent. C'était un auteur-compositeur du groupe Rookin qui a cartonné en 2022 avec un album qui s'est très bien vendu après leur découverte, n'est-ce pas, dans Nagui. Il avait travaillé aussi aux côtés de Patrick Bruel, Olivia Ruiz, Claudio Capeo et aussi Eddie De Pretto. Il est à la fois pianiste, compositeur, chanteur et producteur. Et il était sur le point d'ailleurs de sortir une de ses chansons. C'est vraiment triste, hein. On ne nous dit pas vraiment de quoi il est mort, mais il a été révélé dans Le Parisien qu'il serait mort dans son sommeil, chez lui à Paris. C'est vraiment triste, c'est triste. Toutes nos condoléances à la famille du chanteur, un chanteur qui venait de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Voilà, c'est vraiment triste. Merci d'avoir regardé.